Alors aujourd'hui nous sommes au Beau de Provence, une petite cité de caractère. Ça va être magnifique, il fait super beau. Alors, nous avons réussi à trouver un stationnement le long de la route. Donc, c'est pas facile ici de stationner, mais bon, on y arrive quand même. Il y a la place. Et le temps est en train de se dégager parce que ce matin c'était bien couvert, cette nuit il a plu, mais là il fait bon. On va bien en profiter. Et nous voilà arrivés dans la ville. C'est un petit village qui fait penser un peu à Matera, qui est aussi charmant que ça. C'est beau, hein? Tout à l'heure de faire une vidéo en drone parce que là il y a de quoi faire, ça va être sympa et on va reprendre la route pour continuer notre petit périple. Alors au Beau de Provence, il y a des parkings où vous pouvez stationner un camping-car, c'est 5 euros de l'heure. Mais levez-vous de bonne heure. Me voici arrivé à Aix-en-Provence. Le camping-car est stationné sur un parking près d'un complexe sportif. Les filles n'ont pas voulu me suivre. Et donc je vais me promener tout seul dans la ville. Je vais vous faire découvrir ça en images. C'est archi blindé, il y a plein de monde dans le centre-ville. Les petites places qui sont bon la Provence. Côté du parking où on s'est arrêté, il y a juste l'arrêt de bus, donc c'est le 8 et nous on est par là-bas. Et on est là, le parking est là. Alors je ne sais pas si on peut y rester la nuit, mais en tous les cas c'était assez tranquille et là on va repartir vers Manosque. Allez, à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il est 9h du matin. Nous sommes à Sainte-Tulle, à 7 km de Manosque. Et hier soir, nous avons trouvé cette petite aire camping-car park. Alors là-bas, un peu plus loin, il y a l'aire pour faire les services, qui est à l'extérieur de l'aire. C'est un grand parking. Et là, il y a 23 places sur cette aire.
Le prix de la nuit, c'est autour des 11,50 €. J'ai plus ça en mémoire parce qu'hier, j'ai voulu réserver impossible. Rien ne fonctionnait, mais on a quand même pu rentrer avec la carte si vous l'avez. Donc, j'ai pu rentrer avec. Et je pense qu'on a tous fait pareil. Donc, il y a l'électricité, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, on est situé à côté d'une petite balade toute proche. C'est vraiment sympa. Sur cette aire, il y a aussi une aire pour faire des pique-niques et faire un barbecue. Donc elle est vraiment bien aménagée. Et vous voyez par derrière, il y a une petite balade à faire. Quand on a un chien, c'est super agréable. Voilà le petit parc. Donc on va aller tout à l'heure à Manosque, faire une petite promenade et visiter cette ville agréable avec ce beau soleil. Et je vous dis à bientôt. Nous voici arrivés à Manosque, petite ville de caractère. Vous voyez, le ciel est magnifique. On va découvrir cette ville que nous n'avons jamais visitée. C'est une première. Je vous montre ça en image. Voilà la porte d'entrée de la vieille ville. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. On est au lac de Sainte-Croix. Il fait très très beau. Là, il fait 24 degrés. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est un petit village très typique autour du lac de Sainte-Croix. Nous allons bien sûr aller à Moustier-Sainte-Marie tout à l'heure et nous poser sur une aire pour camping-car autour du lac. Il y en a plusieurs. On va tester ça ce soir certainement. Et là, on va visiter le village. Nous avons trouvé un parking à Boden, un petit parking. On a pu quand même mettre le camping-car. C'est à l'entrée de la ville. Vous voyez. Sinon, un petit peu avant, il y a des petits endroits où vous pouvez vous stationner. C'est faisable. Donc arrivé au lac du Verdon, en tout cas à l'aire de camping-car. Pour pouvoir y stationner, il faut se rendre au camping Le Galetas pour réserver votre place. C'est 10 € la nuit, il faut partir avant 11 h. À l'intérieur de ce camping, vous pouvez y faire les vidanges et remplir l'eau.
Et ensuite, eh bien, vous vous installez sur la plateforme, donc c'est en face, au bord du lac. Et vous profitez de la vue. Alors on est à environ 6 ou 7 km de Moustier-Sainte-Marie. Donc si vous avez des vélos ou si vous vous sentez armé pour aller à pied jusque là. Sinon, de mémoire, il y a une aire ou un parking pour camping-car à Moustier, juste un petit peu avant. Donc c'est à vous de voir. En tout cas, là il fait super bon. Je pense qu'on va manger dehors, il fait 26 degrés. C'est vraiment chouette. Donc voilà un petit peu l'endroit où vous pouvez stationner. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc c'est au choix. Il y a pour 35 camping-cars. Nous voici sur la base nautique du lac de Sainte-Croix. Une fois de plus, le soleil est de la partie ce matin. C'est vraiment super joli. Par contre, eh bien, le niveau du lac a vraiment baissé. C'est assez affolant de voir tout ça. C'est quand même assez désolant de voir un petit peu le lac dans cet état. Voir si peu d'eau. Alors que nous l'avons connu il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années où c'était, il y avait facilement 3 mètres d'eau au-dessus du niveau actuel. Donc c'est pour vous dire la catastrophe qui s'annonce. Par contre, le paysage reste toujours magnifique. Alors, un petit peu plus loin, à 800 mètres de là où on est, il y a l'entrée des gorges du Verdon. Vous voyez, c'est vraiment sublime. Alors, nous voici arrivés sur l'aire de camping-car park de Moustier-Sainte-Marie. Donc le même principe que d'autres dont je vous ai montré un peu le fonctionnement. Et voici les espaces pour stationner. Alors, c'est pas une grande aire, hein. On doit avoir peut-être une dizaine ou une douzaine de camping-cars. Et sur la droite, vous avez donc la borne de service. Donc elle est plutôt bien située, non loin de Moustier, qu'on va visiter tout à l'heure. Allez, petite montée pour aller au village de Moustier-Sainte-Marie. On va essayer de se trouver un petit restaurant sympa. On va entamer la montée pour aller à la chapelle de Beauvoir, 15 minutes à peu près à pied. Alors, bientôt à la chapelle. Thank you.
voici arrivés sur l'aire de camping-car de Sisteron. Donc c'est une petite aire avec une borne flot bleu, 7 euros les 24 heures. Et là, nous allons visiter, vous voyez au loin sur la vidéo, du côté de la citadelle et de la vieille ville. Ça semble assez joli et je vais vous montrer ça en image. Sisteron est quand même plus joli, en tout cas il y a plus de charme. Là, on n'est qu'au début de la visite, on va se rendre à la citadelle. Je vais vous montrer le plan du site. Allez, on est parti pour la petite visite de la citadelle. Alors le tarif, c'est 7,10€ pour adultes et 3€ pour les enfants. Nous voici arrivés à notre dernier point de visite de notre périple. Nous sommes à Grignan. On a trouvé là un petit parking calme, mais je ne sais pas si on va être autorisé à rester là, sinon il y en a d'autres un peu plus loin. Et là, ici, on est tout proche du centre de Grignan et de son château. On voit dans le fond là-bas le château de Grignan. Petite ruelle comme ça, regarde. Voici l'entrée du château qui doit être fermée là. Ça y est, c'est la fermeture. Notre périple entre Ardèche et Verdon se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.